Très bien aujourd'hui, moi ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo de haul magasin. Voilà, voilà, j'ai fait deux petits magasins. Voilà, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme ça c'est fait, je vais pouvoir ranger tout ça. Alors, dans un premier temps, c'était pas un magasin, c'était un tabac presse. J'ai acheté ceci 3,95€. C'est tout simplement un truc de pâte patrouille avec des cartes en fait. Voilà, donc en fait là c'est l'album et vous avez des petites cartes à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir parce que du coup de toute manière je peux l'ouvrir. Parce qu'en fait de toute manière je vais enlever évidemment le prix parce que c'est pour offrir. Donc du coup je vais l'ouvrir comme ça. Voilà, que je puisse au moins agrafer pour refermer. Parce qu'en fait je voudrais enlever les prix. Parce que là, vous voyez, pas là, mais derrière, il y a le prix, par exemple. Là, il y a le prix, donc pour pas qu'ils sachent le prix, tu vois. Même s'ils sont petits, voilà. Donc, du coup, on a 1, 2, 3, 4, 5 petits trucs comme ça avec, du coup, les cartes à coller. Voilà. D'ailleurs, si je dois en enlever parce que je lui en ai acheté... j'en ai acheté deux autres de plus. Donc voilà, ça fera un petit cadeau, ça plus ça. Tu vois, donc j'en ai acheté deux autres de plus. C'est 80 centimes le truc, donc voilà. Ça, c'était avec. Donc en fait, vous payez 3,95€ le bouquin plus 5 petits trucs comme ça. Et moi, je vais juste lui en rajouter deux autres, voilà, pour compléter la collection. Mais c'est surtout pour lui faire un paquet à côté, voilà, pour qu'il puisse éclater avec ça. C'est pour mon petit cousin, donc je vous le disais, 80 centimes. Après, combien il y a de machins dedans, c'est pas forcément dit. Combien il y en a dedans. Je pense qu'il doit y en avoir 3-4. Hein. En général, il n'y en a pas énormément dedans. Ouais, bon, je pense qu'il y en a 3-4 à l'intérieur. Voilà, je vais pas m'en chercher. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà, donc du coup, à quoi ça ressemble dedans? Ah oui, d'accord, donc en fait c'est comme ça, bon en fait c'est comme quand on était petit, et en fait là il y a juste à coller les bonhommes au niveau des numéros, donc c'est comme partout, et là il y a un petit dessin à colorier, donc il va être content mon petit cousin, et voilà, voilà il y a des jeux et tout, donc franchement je pense qu'il va être content, donc du coup je vais enlever le prix, voilà, et du coup j'aurai plus qu'à ragrafer le paquet. Et du coup, hop, je vous mets tout et j'ai plus qu'à ragrafer le paquet et à enlever le prix juste ici. Après, je peux lui laisser le prix parce qu'en vrai, on reste sur les petites cartes, il y a le prix derrière. Donc voilà. Bref, je ragraferai comme ça au moins il verra pas le prix en gros. Tu vois, après, il est tout petit hein, donc en vrai, il s'en fout, tu vois. Donc voilà, je lui en ai racheté deux autres en plus pour lui. Voilà, ensuite j'ai été à Nocibé, je vais vous montrer ce que j'ai pris et que j'ai eu en échantillon. Parce que j'ai eu un échantillon. Alors, du coup, je vais tout sortir. Comme ça, je vais tout ranger dedans. Comme ça, je vais mettre ça dans la salle de bain. Alors, j'ai pris une mousse de douche. Comme je vous disais, les mousses de douche d'hiver, j'en achète beaucoup. Et là, je voulais me faire plaisir. Donc, pour me faire plaisir, je me suis acheté la mousse de douche à la rose et huile d'argan de chez Nocibé. Elle sent divinement bon. Ça, j'adore cette odeur-là. Franchement, tu me fais plaisir, tu m'achètes ça. Nickel. Donc, ça, c'était 6,95€. Voilà, malheureusement, j'avais pas ce petit truc-là où c'est moins 25%. Et encore là, pour le mois de novembre, du 1er au 28 novembre, il y a une crème main offerte. Voilà, après, je sais pas, vu que novembre, c'est mon anniversaire, je sais pas si j'ai un truc offert, donc à voir. Donc la mousse de douche 6,95€, certes, c'est cher, personnellement, je trouve ça cher. Quand vous avez le moins 25%, ça va, c'est pas hyper cher, mais quand vous avez pas les moins 25%, c'est ultra cher. Personnellement, je trouve ça cher, mais bon, voilà, j'avais envie de me faire plaisir. Et ensuite, j'ai acheté ah merde, comment ça s'appelle? Deux galets de bain. Voilà.
y arriver. Donc c'était 5,95€ un, et l'autre est revenu à 3,57€ parce qu'en fait c'était moins 40%. Donc voilà, en gros t'en achetais un, t'en avais un moins 40. Donc du coup j'ai pris en forme de lune. Alors je sais pas si vous allez bien bien voir les couleurs. En forme de lune. Alors j'ai pris parce que je sais que mon copain adore les boules de bain Nocibé. Donc je pense que j'en mettrai. J'en garderai une pour chez moi et j'en garderai une pour là-bas. Voilà, parce que du coup il y a aussi celle-là qui est vraiment vraiment sympa. Elles sont vraiment chouettes. Assez grosses. Bon après 5€, ça vaut quand même le prix. C'est 5,95€. Et avec le moins 40%, c'est 3,57€. Donc 3,57€ est quand même plus raisonnable que 5€. Mais 5€, ça va, c'est raisonnable. Parce que quand on voit bien souvent sur internet, les bouts de bain, ils sont à 5-6€. Donc voilà, c'est plutôt raisonnable. Donc voilà, ça j'adore. Donc c'est pareil, je vais les laisser dehors. Parce que je vais voir avec mon copain s'il en veut, lequel il veut que je ramène à la maison. Là, les moins 25%, je vais les ranger dans les porte-monnaie. Parce qu'à chaque fois. Je les cherche. Et en plus, vu qu'il y a la crème de main offerte, je vais la prendre. Parce qu'en plus, elle n'a pas l'air trop dégoûtante. Voilà. Donc voilà, on va prendre la petite crème de main. Hein. Ça sera la crème de main. Hein. Voilà. Ensuite, il y a moins 25, moins de 25 ans. Il y a 20% sur l'année. 10% sur votre premier rendez-vous. Donc ça, c'est les trucs de l'institut. Mais j'y vais jamais. Je devrais y aller, mais j'y vais jamais. Donc voilà. Ensuite, elle nous a donné deux échantillons, donc l'interdit de chez Givenchy. Voilà, donc lui, j'aime plutôt bien en général. Donc ça, je vais laisser là parce que du coup, mes trucs sont là. Et pour monsieur, parce qu'il y avait mon frère et du coup, ils m'ont mis ça, mais je ne lui ai pas filé parce qu'il ne me l'a pas demandé. Le Azaro Want. Donc voilà, ça sent plutôt bon. Donc voilà, ça, du coup, ce sera pour mon copain. Il sera content parce qu'il a pas très souvent de parfum comme ça. Donc il va être plutôt content, je pense. Ensuite, du coup, j'ai été à Yves Rocher. Du coup, ça c'est le dernier magasin. Alors à Yves Rocher, j'avais les deux petites cartes. Voilà, qu'on reçoit tous les mois avec moins 50%, un acheté, un offert. Niveau des cadeaux. Je vais juste vous dire un cadeau que je devais avoir. C'est un mascara que je devais avoir de chez Yves Rocher que je n'ai pas pris. Du coup, j'ai mis ça en point fidélité parce que les mascaras, si vous voulez, je peux vous montrer. J'ai un stock de mascaras phénoménal. Je peux vous montrer. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris. Au départ, je me dis, je prends pour mettre sur Vinted. Mais après, je me dis, ça sert à rien parce que sur Vinted, j'ai déjà plein de trucs. Il y a des trucs qui partent pas et tout, donc je me suis dit ça sert à rien. Parce que niveau mascara, je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai déjà un Maybelline, et encore j'en ai enlevé. Hein. J'ai un Maybelline, j'ai un. Un, je sais pas quel. Enfin, j'ai un comme ça. Et j'ai un aussi de chez Nocibé, il me semble, de l'année dernière. Donc vous voyez, j'ai quand même. Trois mascaras et encore non, j'ai plus de trois mascaras parce que j'en avais plein d'autres avant, mais j'ai plus de trois mascaras et j'ai des mascaras aussi comme ça, vous savez, pour les sourcils et les cils. Ça, j'en ai deux, donc voilà. Je pense que j'en ai assez, vous voyez, à tester. Déjà que je ne me maquille plus beaucoup, alors si en plus je reprends des trucs pour que ça reste là et que ça sert pas. Je me suis dit ça sert à rien, donc je me suis dit autant prendre les points pour avoir plus de points. Oui, pour avoir plus de points pour avoir le cadeau. Donc c'est tout simple, j'ai acheté deux produits, donc j'ai fait 2 plus 1. Voilà, en tout j'en ai eu pour 10€. Donc j'ai acheté ça. Donc c'est deux gels douche format 400 ml. J'aime pas les formats 400 ml, mais bon. Niveau quantité prix, vu qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de sous, ça vaut le coup. Donc j'ai pris les deux mêmes algues sauvages. Parce que j'en ai acheté aussi deux la dernière fois. Vous allez vous dire, mais elle nous saoule avec ses olives rochers. Elle apprend toujours la même chose. Mais en fait, c'est qu'ils sentent super bon. Ils sentent super bon. Et avec mon chéri, parce que du coup, on l'a à l'appart. À la maison plutôt. Et on trouve que ça sent le mec et tout. Mais ça sent super bon. Moi, je kiffe. C'est la seule odeur que j'aime de cet hiver. Enfin, du printemps. Non, printemps, été, automne. Donc, voilà. Donc, j'en ai repris deux. Voilà. C'est pas donné hein, les 400 ml, mais voilà, j'en ai repris deux, comme ça j'en ai pris un pour ici,
un pour là-bas. Et pareil, j'ai repris deux pousse-mousse parce que ici j'en ai plus et à l'appart j'en ai plus, à la maison j'en ai plus. Donc du coup j'en ai repris deux comme ça. Un pousse-mousse cette fois-ci et c'est la première fois que je vais les tester en pousse-mousse. Mais les pousse-mousse en général, je les adore. Donc voilà. Quand ils seront en promotion, je foncerai à Yves Rocher parce que franchement, je les adore. Donc voilà, attendez, je vais faire ma petite pop-up. Donc voilà, donc du coup j'en ai eu un acheté, un offert, en gros j'en ai payé que deux. Mais du coup les deux c'est quand même pas donné parce que j'ai quand même payé 10 euros, donc ça fait 5 euros chacun. Donc c'est pas donné non plus. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'en range deux, sachant qu'il faut que j'en range deux là-bas. Enfin bref. Et du coup au niveau des cadeaux, j'ai eu un shampoing réparation cheveux abîmés, donc un shampoing comme ça là qui donnait. Ça je les ai déjà testés, je les aime bien. Petit format, c'est plutôt sympa. Ça faisait extrêmement longtemps qu'ils nous donnaient pas les trucs comme ça, mais encore ça ils nous l'ont donné grâce à la carte. Sinon il n'y avait aucun échantillon ni rien, donc c'est un peu la galère. Donc voilà, format 50 mini, donc plutôt contente. Ça je sais que je l'aime bien, donc je vais m'en servir. Et ensuite j'ai eu ceci que j'avais déjà eu, un petit format qui est ouvert. C'est sympa. Donc c'est les baumes Botanica soin réparateur multi-usage sans rinçage, cheveux secs et abîmés. Voilà, format 150 ml, donc c'est quand même un beau format. Du coup ça c'est pareil, elle m'a dit soit vous prenez le produit, soit vous prenez les points. Vu que j'avais déjà pris les points du mascara, j'ai dit vas-y, je prends le produit. Voilà, sachant que j'en ai besoin parce que j'ai des cheveux qui sont hyper abîmés. Enfin, ils commencent à être abîmés malgré que je remets des masques, etc. dans les cheveux. Donc voilà, j'ai dit vas-y, let's go, prends ça. Et voilà, donc du coup, mes produits du moment, de ce que j'ai acheté aujourd'hui, du coup, je vous ai tout montré. Voilà, c'est plutôt pas mal. Je suis très contente de mes petites trouvailles Nocibé. Voilà. Franchement, comme je disais à mon frère, je suis un mouton. Parce que je les ai vus à la caisse et elle m'a dit, moi, 40% sur le deuxième machin, et du coup. J'ai vu ça et je les ai trouvés trop jolis. Même s'ils étaient à 5 euros, voilà, j'ai dit vas-y, fonce. Donc voilà, très très belle trouvaille à Nocibé. Et encore, j'y suis allée juste comme ça parce que je voulais me faire plaisir. Donc voilà, donc moi j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Un commentaire qui fait encore plus plaisir. Et moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!